cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savat. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savat in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who train in the noble art of French foot fighting Savat understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savat's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savat as told by its professors. Je crois qu'il faut toucher à tout. Hein. Oui. C'est bon que Solven démontre la BF. C'est ça la BF du INSEP. C'est ça la compétition. Ouais. Merci, ça te voit. Okay, okay. Oui, bonjour, je m'appelle Franco Di Guglielmo. Non. Tant mieux. j'ai déjà des sueurs. Alors, parmi tous les boxeurs de haut niveau que j'ai eu, le meilleur, le plus talentueux, ça a été Bertrand Soncourt, qui a eu gagné absolument tous les titres. Et comme je disais, c'était... Au-delà de la valeur pugilistique du garçon, c'était un homme d'une valeur extraordinaire que j'ai toujours... Pour moi, il symbolisait la boxe française dans le sens où il était technique, frappeur, de très bonne condition physique et surtout un gros mental et surtout un esprit chevaleresque. Pour lui, gagner, on ne pouvait pas gagner à tout prix. On ne pouvait pas gagner coûte que coûte. On ne pouvait pas gagner en faisant des choses tordues. Et donc je disais que... Je l'avais vu la dernière fois à Marseille, un jour à Marseille, il boxait contre un Breton, et le Breton commençait à prendre des coups un peu durs, et sur un enchaînement de coups de poing, sur un dernier coup de poing, il était en train de tomber, mais en même temps qu'il tombait, Bertrand a fait un fouetté figure qui allait toucher le visage alors qu'il tombait, et au dernier moment, alors que c'était parfaitement réglementaire, il aurait pu frapper encore un dernier coup, il arrête le pied, il enlève le pied, pour ne pas le toucher. Et je me souviens encore dans la salle Vallier des gens qui ont été surpris, qui ont fait un ah. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, 20 ans après, on m'en parle encore. On me dit oh, je me souviens le jour où Bertrand. C'est voilà, ça c'était Bertrand Soncourt. Et on dit toujours que les meilleurs s'en vont d'abord. C'est vrai, les meilleurs s'en vont d'abord parce que Bertrand est parti bien avant tout le monde. Après un accident de moto, et voilà, et c'était, et ça a été dur. Enfin, ça a été dur aussi pour moi parce que c'était Bertrand Soncourt, mais c'était dur aussi parce que Bertrand Soncourt, ça a été le troisième athlète de haut niveau de mon club qui est mort dans des circonstances dramatiques et qui a peut-être contribué au fait que, au bout d'un moment, j'ai plus eu la force de continuer. Avant Bertrand Soncourt, il y a eu Laurent Bernardi,
qui était champion d'Europe poids lourd. Et lui, ben voilà, il est mort d'un coup de revolver à l'artère fémorale. Il s'est vidé de son sang. Voilà. Et avant lui, il y a une fille qui s'appelait Martine Mathias, qui était championne de France, et qui, elle, a fait partie des cinq filles qui ont été tuées, qui ont été violées, brûlées et tuées par le tueur en série Patrice Allègre, à Toulouse. Voilà, c'est... Alors, Bertrand, pour finir, Bertrand Soncourt est arrivé, la mort de Bertrand Soncourt est arrivée, et ça a été bon. C'est pas les seules raisons, il y a eu d'autres raisons... De très mauvaises ententes avec les dirigeants locaux de Midi-Pyrénées, de la région de Toulouse. Voilà, donc l'addition de tout ça fait que j'ai tout arrêté. Ta philosophie de la savate. Je ne sais pas si j'ai une philosophie de la savate, je ne sais pas. Disons que je crois que les diverses personnes que j'ai rencontrées, les divers livres que j'ai lus, tout ce que j'ai pu entendre, et comme j'étais imprégné dans la boxe française à fond, j'ai pris des choses qui m'intéressaient chez beaucoup de gens, et ça m'a forgé ma personnalité pugilistique, qui est mélangée bien sûr avec ma personnalité personnelle bien sûr, parce qu'on ne peut recevoir que ce qu'on est prêt à recevoir. Alors, je n'ai pas vraiment une philosophie, je sais pas ce que c'est, moi, la philosophie. Je crois que c'est peut-être ça la faiblesse de la savate, c'est que il n'y a pas une vraie philosophie. Si, tout le monde parle de respect, toutes ces choses-là, mais bon, qui ne parle pas de respect? Moi, je n'ai pas entendu un sport qui dise bon, nous, on fait tel sport, mais je n'ai pas de respect pour lui, je n'ai pas de respect pour lui, ça n'existe pas. Et je crois que en boxe française, même si on parle beaucoup de tradition, on oublie un petit peu les hommes de la tradition. Et c'est vrai qu'on connaît bien Charlemont, Casseux, on connaît aussi Lafont, mais si on demande Charlemont, tout le monde connaît, mais Lafont, par exemple, si on demande aujourd'hui sur 40 000 licenciés qui connaît Lafont, ouais, il y en a 1%, 0,5%. Voilà, je trouve que c'est dommage. Et puis il y a des grands champions de l'époque, Silla, Paturel, enfin voilà, bon, des grands champions que l'on oublie, que l'on ne valorise pas suffisamment. Et je pense qu'on devrait pouvoir mettre en avant un petit peu les qualités spécifiques de la boxe française. Alors après, la philosophie, je ne sais pas, moi j'ai été entraîneur de haut niveau. J'ai eu des combattants, de très nombreux combattants. Sur une année, je pouvais avoir entre 20 et 25 personnes qui faisaient du combat, pas de l'assaut, du combat. Et là, c'est de l'abnégation. Alors, je crois que j'ai pas eu trop le temps à l'époque de réfléchir la philosophie de la boxe française, parce que c'était sans arrêt en train de foncer pour un tel, pour un tel, pour un tel. Et je crois que s'il y a une philosophie, c'est que l'entraîneur, s'il veut réussir à faire que les boxeurs arrivent le plus que leur possibilité leur permet de faire, c'est eux-mêmes, les entraîneurs, les professeurs, donnent plus que ce qu'ils peuvent donner. Je ne sais pas si j'ai raison, et je suis même pas sûr d'avoir raison. Je pense même que j'ai peut-être tort, parce que trop en faire, c'est toujours un petit peu au détriment de soi-même. Alors... mais moi, je le voyais comme ça, je n'ai su fonctionner que comme ça. C'était donner plus que ce que j'avais à moi pour pouvoir faire en sorte de ne pas avoir de regrets le jour où un boxeur me dira « j'arrête de boxer ». Quand il me dit ça, je veux me dire « il est allé à son maximum ». Alors, je n'ai pas toujours réussi, mais il faut que ma conscience soit en paix par rapport à ça. Et donc, ça demande... de l'investissement, ça demande être très proche, presque couple, même couple des fois, mais en gardant malgré tout une certaine distance pour que lorsqu'on parle, il y ait une espèce de respect, une espèce de croyance en ce que l'on dit, parce que même si aujourd'hui la mode c'est de dire il faut responsabiliser les tireurs,
Oui, mais tout le monde ne peut pas être responsabilisé. Tout le monde, malheureusement, dans la vie, ils ne sont pas toujours très responsables. Et puis dans un moment dramatique de l'activité pugilistique, parce que lorsque l'on perd, c'est pas qu'une défaite pour les boxeurs. C'est la fin, presque la fin du monde. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour soutenir, pour même si c'est provisoire, hein, s'il n'est pas là pour soutenir, c'est un peu dramatique humainement. Alors je pense qu'il faut être capable de... il faut qu'un professeur soit omniprésent et savoir s'écarter et surtout ne pas tirer la couverture à lui. Parce que, et là aussi, je crois que la majorité des professeurs sont capables de dire « Je construis le boxeur, mais c'est son mérite à lui. » Et moi, j'ai un petit peu, bien sûr, hein, un petit peu. Mais il faut avoir... Je pense que le professeur doit être humble et ne pas penser que il est champion du monde, je suis aussi champion du monde. Non, je suis un des fabricants. Il y a plusieurs choses qui fabriquent le champion du monde, et moi je suis une partie de celui qui fabrique. Une petite partie, plus grosse peut-être que la maman, que le papa, machin, mais je ne suis qu'une petite partie, et je ne mérite pas, surtout pas, plus que lui. Alors si, une chose en plus je veux dire, c'est, c'est, il y a beaucoup de choses à dire, mais le fait que tu me demandes de saluer, je veux dire quelque chose sur le salut. Et vraiment, voilà, la tradition, le salut de boxe française, qu'est-ce qui est plus le symbole de la savate? C'est le salut. Je pose la question aujourd'hui. Qui, en France, du président jusqu'en bas, en passant par tous les cadres d'État, est-ce qu'il y en a un qui fait le salut de boxe française comme c'est écrit sur le règlement? Personne. Moi, ça me rend fou. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous les boxeurs, même les dirigeants font... Tous font quelque chose comme ça. Le salut aux Françaises, on est à peu près droit, on n'est pas au garde à vous. Alors, c'est ça. Il n'y en a pas un qui le fait. C'est marqué sur le règlement. Imaginons que quelqu'un fasse du judo, du karaté, il oublie de faire ça. Dehors, vestiaire, rentre chez toi. C'est le symbole. Quand on salue le boxeur, le symbole de la savate, c'est ça. Alors, après, on peut faire... on peut le faire en plus. Si c'est la façon de s'exprimer, on peut le faire après. Mais le début, c'est le salut. Je trouve ça honteux. Et alors, je fais le salut comme je pense que c'est marqué sur le règlement. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Je ne sais pas si j'ai une philosophie de la savate. Je ne sais pas. Disons que je crois que. Que les diverses personnes que j'ai rencontrées, les divers livres que j'ai lus, tout ce que j'ai pu entendre, et comme j'étais imprégné dans la boxe française à fond, j'ai pris des choses qui m'intéressaient chez beaucoup de gens, et ça m'a forgé ma personnalité pugilistique, qui est mélangée bien sûr avec ma personnalité personnelle, bien sûr, parce qu'on ne peut recevoir que ce qu'on est prêt à recevoir. Alors, je n'ai pas vraiment une philosophie, je ne sais pas ce que c'est, moi, la philosophie. Là. Je crois que c'est peut-être ça la faiblesse de la savate, c'est qu'il n'y a pas une vraie philosophie. Si, tout le monde parle de respect, toutes ces choses-là, mais bon, qui ne parle pas de respect? Moi, je n'ai pas entendu un sport qui dise on fait tel sport, mais je n'ai pas de respect pour lui, ça n'existe pas. Et je crois que en boxe française, même si on parle beaucoup de tradition, on oublie un petit peu les hommes de la tradition. Et c'est vrai qu'on connaît bien Charlemont, Casseux, on connaît aussi Lafont, mais si on demande à Charlemont, tout le monde connaît, mais Lafont, par exemple, si on demande aujourd'hui sur 40 000 licenciés qui connaît Lafont, ouais, il y en a 1%, 0,5%. Voilà, je trouve que c'est dommage. Et puis il y a des grands champions de l'époque, Silla,
Paturel, enfin voilà, bon, des grands champions que l'on oublie, que l'on ne valorise pas suffisamment. Et je pense qu'on on devrait pouvoir mettre en avant un petit peu les qualités spécifiques de la boxe française. Alors après, la philosophie, je ne sais pas, moi j'ai été entraîneur de haut niveau, j'ai eu des combattants, de très nombreux combattants. Sur une année, je pouvais avoir entre 20 et 25 personnes qui faisaient du combat, pas de l'assaut, du combat. Et là, c'est de l'abnégation. Alors, je crois que je n'ai pas eu trop le temps à l'époque de réfléchir la philosophie de la boxe française, parce que c'était sans arrêt en train de foncer pour un tel, pour un tel, pour un tel. Et je crois que s'il y a une philosophie, c'est que l'entraîneur, s'il veut réussir à faire que les boxeurs arrivent le plus que leur possibilité leur permet de faire, c'est eux-mêmes, les entraîneurs, les professeurs, donnent plus que ce qu'ils peuvent donner. Je ne sais pas si j'ai raison, et je ne suis même pas sûr d'avoir raison. Je pense même que j'ai peut-être tort, parce que trop en faire, c'est toujours un petit peu au détriment de soi-même. Alors, mais moi, je le voyais comme ça, je n'ai su fonctionner que comme ça. C'était donner plus que ce que j'avais à moi pour pouvoir faire en sorte de ne pas avoir de regrets le jour où un boxeur me dira « j'arrête de boxer ». Quand il me dit ça, je veux me dire « il est allé à son maximum ». Alors, je n'ai pas toujours réussi, mais il faut que ma conscience soit en paix par rapport à ça. Et donc ça demande de l'investissement, ça demande être très proche, presque couple, même couple des fois, mais en gardant malgré tout une certaine distance pour que lorsqu'on parle, il y ait une espèce de respect, une espèce de croyance en ce que l'on dit. Parce que même si aujourd'hui, la mode c'est de dire il faut responsabiliser les tireurs, ouais, mais tout le monde ne peut pas être responsabilisé. Tout le monde, malheureusement, dans la vie, ils ne sont pas toujours très responsables. Et puis dans un moment dramatique de l'activité pugilistique, parce que lorsque l'on perd, c'est pas qu'une défaite pour les boxeurs. C'est la fin, presque la fin du monde. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour soutenir, même si c'est provisoire, hein, s'il n'est pas là pour soutenir, c'est un peu dramatique humainement. Alors je pense qu'il faut être capable de... il faut qu'un professeur soit omniprésent et savoir s'écarter et surtout ne pas tirer la couverture à lui. Parce que, et là aussi, je crois que la majorité des professeurs sont capables de dire « je construis le boxeur, mais c'est son mérite à lui ». Et moi, j'ai un petit peu, bien sûr, hein, un petit peu, mais il faut avoir... Je pense que le professeur doit être humble et ne pas penser que il est champion du monde, je suis aussi champion du monde. Non, je suis un des fabricants. Il y a plusieurs choses qui fabriquent le champion du monde, et moi je suis une partie de celui qui fabrique. Une petite partie, plus grosse peut-être que la maman, que le papa, machin, mais je ne suis qu'une petite partie, et je ne mérite pas, surtout pas, plus que lui. Quand on met le pied dans ses dires. Alors si, une chose en plus je veux dire, c'est, il y a beaucoup de choses à dire, mais le fait que tu me demandes de saluer, je veux dire quelque chose sur le salut. Et vraiment, voilà, la tradition, le salut de boxe française, qu'est-ce qui est plus le symbole de la savate? C'est le salut. Je pose la question aujourd'hui. Qui, en France, du président jusqu'en bas, en passant par tous les cadres d'État, est-ce qu'il y en a un qui fait le salut de boxe française comme c'est écrit sur le règlement? Personne. Moi, ça me rend fou. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tous les boxeurs, même les dirigeants, font... Tous font quelque chose comme ça. Le salut aux Françaises, on est à peu près droit, on n'est pas au garde à vous. Alors, et c'est ça.
Il n'y en a pas un qui le fait. C'est marqué sur le règlement. Imaginons que quelqu'un fasse du judo, du karaté, il oublie de faire ça. Dehors, vestiaire, rentre chez toi. C'est le symbole. Quand on salue le boxeur, le symbole de la savate, c'est ça. Alors, après, on peut le faire en plus. Si c'est la façon de s'exprimer, on peut le faire après. Mais le début, c'est le salut. Je trouve ça honteux. Et alors, je fais le salut comme je pense que c'est marqué sur le règlement. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi.